Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous passez une bonne journée. Ok. En fait, je me fais mes petits papiers comme ça, j'écris juste les grands points, surtout pour les vidéos où en fait je peux pas être spontanée, c'est-à-dire qu'il me faut une certaine chronologie, il me faut des certaines étapes pour ne rien oublier et surtout le faire en moins de 25 minutes, ce qui est un record. Alors, en fait, cette vidéo-là, je l'ai enregistrée 3 fois. Et en fait, les 2 autres fois que je les ai enregistrées, j'en étais à 1h, 1h30. Mon Dieu! Il est hors de question que je me tape du montage en coupant plein de choses. Donc j'ai vraiment essayé d'aller vite et d'aller au plus grand point. Alors aujourd'hui nous parlons du travail, de la carrière professionnelle, surtout celle de Madeleine, moi ici. C'est-à-dire que je ne vais juger personne, je vais vraiment parler de mon expérience personnelle, professionnelle. Et en fait c'est quelque chose dont je parle très peu et j'ai eu cette idée de vidéo donc il y a à peu près 1 mois de ça. Pourquoi? Parce que j'ai une personne avec qui j'ai eu une discussion et qui m'a posé des questions sur comment t'as fait en Angleterre parce que c'est galère et tout. Et en fait, je ne parle jamais de mon passé professionnel. Je parle très peu de mon passé et alors mon passé professionnel encore moins. C'est-à-dire que plus ça remonte loin, alors là, moi j'en parle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des étapes de ma vie, les gens n'ont aucune idée de ce que j'ai vécu. Et je pense même les gens de ma famille n'ont aucune idée de ce que j'ai vécu à certains moments dans ma vie. Ok. Donc déjà, les premiers travaux que j'ai faits, c'était en tant que scout de France. C'est pour ça que pour moi, faire des choses qui sont gratuites, être bénévole, ce n'est pas quelque chose de dégradant, ce n'est pas quelque chose qui m'est complètement étranger ou que je... c'est pas une marque de c'est pas un manque de respect en fait, voilà. Donc j'ai aucun problème avec ça. Et donc on vendait des calendriers, on allait financer nos camps scouts. Pendant les camps scouts, il y avait 2 jours, on avait 10 ans, hein, il y avait 2 jours où on partait en patrouille, c'est-à-dire des équipes de 5 ou 6 enfants, sans aucun adulte. Et on allait demander un hébergement pour la nuit. Et en contrepartie, on faisait des travaux pour ces gens-là. Et donc en fait, le but, c'était d'aller d'un point A à un point B avec une carte, des boussoles, nos gourdes, nos sandwichs et tout. Et de faire ça pendant 2 jours et de faire l'aller et le retour. Et c'était génial. Ensuite j'ai eu mes stages, tous mes stages ce sont ma mère qui me les a trouvés et en fait tous mes stages c'est très bien passé et en fait c'est vraiment pendant mes stages que j'ai découvert que j'adorais travailler. Moi si tu me disais qu'une boutique ou un lieu ouvrait à 7h et que sur ma convention de stage c'était marqué de 9h30 à 17h30, à 7h j'étais là jusqu'à 21h. J'étais déjà comme ça en fait à l'âge de 14 ans, j'ai toujours aimé travailler et je n'ai aucun problème avec le travail. Et dans toute ma carrière professionnelle, je n'ai jamais eu d'arrêt maladie. Je crois que le travail où j'ai le plus d'arrêt, c'était sur 3 ans. Je vais vous dire une moyenne parce que vraiment j'ai aucun souvenir précis de ça. Mais sur mes 3 ans, je pense entre 5 et 10 jours où je ne suis pas allée travailler. Et même ça, je trouve ça énorme personnellement. En fait, quand j'y réfléchis, je me dis quand même Madeleine. Hein. Mais bon, en même temps, on a beaucoup taffé et j'ai fait énormément. Enfin, j'ai fait énormément. J'ai fait mon taf avec beaucoup, beaucoup de plus. Et je ne m'en suis jamais plaint. Donc voilà. Après... donc mon tout premier travail, j'ai arrêté l'école comme je vous ai dit à 18 ans et demi et donc j'ai travaillé dans un parti politique pendant les élections présidentielles. Donc pareil, on cravachait à mort, donc on était là à 8h, on repartait à 20h, moi je m'en foutais, pas de problème avec ça, je kiffe le travail. Donc j'ai bossé là-bas, donc il y avait plein de trucs, c'était intéressant, j'ai découvert des choses. Donc voilà.
Et ensuite, j'ai voulu partir. Deux secondes. Et ensuite, j'ai voulu partir voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc, je suis partie en Angleterre. Je suis partie en Angleterre en tant que fille au pair. Et en fait, moi, j'adore les enfants. Je m'entends très bien avec les enfants. Mais être fille au pair, c'est-à-dire ne même plus avoir d'intimité et que ce ne sont pas mes enfants, c'est pas mon truc en fait. Et je vais pas rentrer dans les détails. Peut-être qu'un jour, je ferai une story time. Mais en bref, en fait, on m'a mis à la porte. Alors que je ne parlais pas anglais, que je n'avais pas de sous sur moi, que j'avais deux énormes valises. Et que j'étais perdue dans une ville et un pays que je ne connaissais pas. Donc je me suis retrouvée à la rue et j'avais 20 ans ou 21 ans à ce moment-là. Et j'avais rencontré un mec qui a été comme un ange gardien pour moi. Franchement, ça a été comme le grand frère dont j'avais besoin à ce moment-là. Et en fait, il m'a dit, écoute, là où moi je suis, c'est une colocation d'hommes. Mais là où moi je suis, il y a une chambre qui est très grande, qui est très bien, mais qui coûte 400 pounds au mois. 400 pounds, c'est à peu près 500 euros par mois. Et j'avais pas d'argent au moins. Hein. C'est-à-dire qu'au pair, tu gagnes 70 euros la semaine. Tu vois ce que je veux dire? Tu survis, quoi. Et en fait, il m'a dit... mais tu peux demander à la propriétaire, tu verras, elle est cool. Dis-lui, écoute, je peux te faire le ménage, je peux faire tout ce que tu veux et tout. Et donc, il m'a mis en contact avec sa propriétaire, je l'ai rencontrée. Et je lui ai dit, bah écoutez, moi je peux faire le ménage, je peux tout faire. Elle m'a fait, ok, pas de problème, tu peux travailler dans mon bar. Donc elle avait un pub. Et en fait, c'était un pub jamaïcain. Donc, mais jamaïcain typique, hein. Donc en fait, jamaïcain typique, genre ils parlaient patois et tout. Donc eux ils parlaient patois, moi je parlais à peine anglais, enfin bref, mais on arrivait à s'en sortir. Et donc elle me disait, tu payes pas le loyer tant que t'as pas de travail, mais en contrepartie tu travailles dans mon pub dès que j'ai besoin de toi. Donc en fait je travaillais dans le pub gratuitement en tant que barmaid, je faisais le ménage, je travaillais en tant que barmaid. Je faisais la restauration du midi quand elle avait besoin, mais j'étais pas payée en contrepartie, ce qui fait qu'en fait j'avais vraiment pas du tout d'argent. Le seul argent que j'avais, je l'ai payé pour payer ma caution auprès d'elle, donc c'est-à-dire les 400 que j'avais, c'était pour payer ma caution, point barre. Mais je pouvais pas payer de loyer, quoi. Donc je ne mangeais pas. Donc il m'est arrivé plusieurs fois de rester 2 jours ou 3 jours sans manger. Et en fait en Angleterre il y a vraiment des systèmes d'électricité en fait qui sont à l'ancienne. C'est-à-dire que vous devez mettre votre petite pièce de 1 pound dans la machine pour avoir l'électricité. Et donc plein de fois je me retrouvais sans pouvoir même payer mon électricité. C'est-à-dire dans le noir complet, quoi. Un jour j'ai réussi à me connecter sur internet. Et donc j'ai dit à une copine, voilà, je suis dans cette galère là. Elle m'a fait, oh là là, non c'est pas possible. Écoute, moi j'ai deux copines qui sont à Londres, des bonnes copines d'enfance. Tiens, je te donne le numéro de téléphone, essaie de les joindre. Déjà le temps que je trouve assez d'argent pour les joindre, voilà. Et en fait entre temps il y a la propriétaire du coup qui m'a dit, écoute, j'ai besoin que quelqu'un garde ma fille de temps en temps, est-ce que t'es d'accord? Et je disais oui. En fait du coup elle me payait mais très peu cher, c'est-à-dire c'était 30 pounds la journée, mais du coup avec 30 pounds j'arrivais à m'acheter des noodles que je mangeais sur 2 jours, j'arrivais à pouvoir prendre le bus de temps en temps et le frauder si j'avais besoin, et j'arrivais du coup à recharger un peu mon Vodafone de 5 pounds et donc de pouvoir envoyer des textos un tout petit peu, genre histoire de pouvoir faire des choses, quoi. Donc j'ai contacté ces deux filles là et en fait on s'est rencontrés plusieurs fois, et puis un jour elles m'ont dit, mais en fait toi là, tu vis comment, tu fais quoi, machin et tout. Et je leur ai dit, bah en fait, j'aurais expliqué, j'allais pas leur mentir, j'allais pas dire, ouais, je travaille dans un bar, mais tu comprends, je suis payée 150 de la soirée, trop bien. Non, j'avais pas les mythos, donc j'ai dit la vérité, j'ai dit, je fais des ménages, je suis barmaid, mais je suis pas payée, je suis payée que quand je garde la petite. La petite, je la garde 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est-à-dire, j'ai même pas plus de 100 pounds au mois, en fait, pour vivre. Et elles m'ont fait, non mais c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça. En plus là où j'étais c'était vraiment exilé, c'est-à-dire que si t'avais pas de bus c'était dead, tu pouvais pas aller quelque part en fait. T'étais au moins 20 minutes de la gare routière, et donc après je te dis pas, si tu voulais un métro, un truc comme ça, c'était un truc de fou. Je pouvais pas y aller à pied alors que moi j'aime marcher, je suis une marcheuse, y a pas de problème pour ça. Et en fait...
Elles m'ont dit non, c'est pas possible, Madeleine, faut que tu viennes ici. Elles ont dit c'est pas grave, viens chez nous et tout. Et c'était deux sœurs gambiennes. Donc j'ai emménagé chez elles. Et en une semaine, je me suis trouvé un boulot en tant que vendeuse dans une boutique de sportswear. Et en fait, donc j'ai trouvé ce boulot-là, je l'ai fait pendant un mois. Et en fait, entre-temps, j'ai rencontré mon copain. Dont je vous ai déjà parlé. Enfin, j'ai déjà parlé de mes ex, mais bref, j'ai rencontré un de mes ex. Et en fait, il m'a dit, est-ce que tu veux me suivre à l'extérieur de Londres et tout. Et puis, j'avais rien à perdre, mon gars. Franchement, le taf, moi, le sportswear, c'est pas trop mon kiff. Des fois, j'aime bien des baskets, mais même ça, j'ai eu deux paires de baskets dans ma vie, quoi. Et genre, enfin voilà, j'avais absolument rien à perdre. Je fais ok. Par contre, je vais rentrer en France. En France, je vais me trouver un bon taf où je vais être au moins beaucoup mieux payée qu'ici. Je vais pouvoir mettre des sous de côté. Et quand je te rejoins, du coup, j'ai une certaine somme avec moi en fait. Pour éviter ce qui venait tout juste de m'arriver, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée en France. J'ai travaillé dans un cabinet de défiscalisation. Et après, on s'est retrouvés donc en Angleterre. Quand on s'est retrouvés en Angleterre, il a fallu qu'on trouve un taf. C'est lui qui a trouvé le taf en premier. Donc, il était commis d'office. Donc, commis, c'est-à-dire qu'il faisait tout ce qui était dessert, pizza et tout. Et moi, je faisais la plonge. Je faisais la plonge. Les grosses poêles, les grosses casseroles. Tous les gros couteaux, tout, c'est moi qui nettoyais. Je faisais le ménage là-bas tous les matins et je faisais la plonge tous les soirs et j'étais payée. On était payé une misère aussi. Et donc on faisait ça et en fait, avant les fêtes de Noël, je lui disais, hey, ça commence à sentir le roussi sur la tête de Wam. Il me disait, mais non, t'inquiète et tout. Et en fait, pendant les fêtes de Noël, on est revenu en France, il m'a présenté à sa famille, je l'ai présenté à ma famille. Quand on est revenu en Angleterre, plus taf. On s'est retrouvés tous les deux à la rue. Le mec qui tenait le restaurant, il s'est cassé en Italie. Il nous a lâchés comme ça. Plus taf, plus rien. Et moi, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai une anecdote de fou à vous raconter. En fait, j'ai réussi à me décrocher une interview en tant qu'assistante bilingue français et anglais. Et donc, je me rends à mon entretien. Et en fait, je m'étais perdue. Donc, je m'adresse à une jeune femme qui est assise dans sa voiture et qui, pendant sa pause déjeuner, qui mange dans sa voiture. Et je lui demande, oui, est-ce que vous savez où est ça? Talalala. Elle me dit, attends, je vais chercher ça sur mon GPS. Elle cherche ça sur son GPS. Elle dit, ok, viens, je t'emmène. Et je lui dis, non, mais vous inquiétez pas, juste donnez-moi le chemin et tout, il n'y a pas de problème. Je vous vois en pause déjeuner. Elle m'a fait, non, 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 t'inquiète, vas-y, monte. Elle prend sa petite radio, elle appelle. Elle dit oui, alors je vous préviens, je vais à tel endroit pour déposer une jeune femme pour son entretien, patati patata. Et je lui dis, c'est tellement gentil de m'avoir emmenée, c'est tellement sympa, je sais pas comment vous remercier. Elle me fait, ah, oh, mais t'inquiète, girl, I got you, nanana, nanana. Et donc elle me dit, tiens, c'est là que tu as ton entretien. Et je lui dis, tellement merci, merci, c'est tellement gentil, patati patata. Je descends de la voiture, il y avait plein de gens qui étaient pendant leur pause clope et pause café, puisque bien sûr j'avais rendez-vous à 15h. Et en fait, j'ai oublié de vous préciser, la voiture, c'était une voiture de police. Voilà. Donc je me suis rendue à un entretien dans une voiture de police. Comment vous dire? Aujourd'hui, ça me fait rire, mais sur le coup, j'étais prise entre je rigole ou je pleure, je rigole ou je pleure. Donc voilà, donc le boulot, je ne l'ai pas eu. Je me suis présentée à une agence d'intérim. Et donc cette agence d'intérim, c'était une agence qui s'occupait de tout ce qui était usine. Et donc, ils m'ont envoyée sur un site d'usine et en fait, je m'occupais des grappes de raisin. Donc en fait, il fallait que je coupe des grappes de raisin, que j'enlève les petits raisins qui étaient pourris, que je mette ça dans une barquette, que je fasse en sorte que ce soit 100 grammes, les grappes de raisin, ce genre de choses-là. Et en fait, c'était horrible. Donc c'était l'usine. Mais je me suis fait des potes en or à ce moment-là. Vraiment des potes, mais des gens, mais d'un cœur ouf. Mais ouf, tellement ouf. Des potes de Lituanie et qui étaient jeunes en fait, qui avaient mon âge. Et vraiment, mais adorable. Adorable. J'ai trois. C'était le genre de personnes qui m'envoyaient encore des cartes postales pour mon anniversaire.
Dès qu'ils savaient où j'habitais, c'était même quand j'habitais plus là, enfin des gens mais d'une extrême gentillesse, mais c'était un truc de fou. Vraiment, j'ai des super souvenirs avec eux. Je les ai toujours sur Facebook, mais c'est vrai qu'on ne se parle plus beaucoup, mais j'ai des super souvenirs avec eux. Vraiment des gens géniaux. Et en fait, donc voilà. Ensuite, un jour, mon ex donc de l'époque s'est permis de me dire certaines choses. J'ai fait non, là c'est trop. Il y a trop de choses, là ça va plus. J'ai fait ok, ciao, bye. Moi je suis rentrée en France. Je suis retournée dans le cabinet de défiscalisation. Je me suis posée pendant quelques mois pour me refaire de l'argent et pour revenir à Londres seule en 2009. Et j'ai vraiment eu un moment où j'ai eu besoin de boycotter en fait toute cette expérience-là. Et donc en 2009, je reviens à Londres. Je commence une école d'art, de fine arts. Et donc j'avais fait plein de projets d'art et tout. Et au bout des troisième mois, j'arrivais pas à me trouver un boulot à temps partiel. Parce qu'à Londres, c'est très dur de trouver des boulots à temps partiel. Tout le monde veut des tafs à temps partiel puisque tout le monde fait des activités à côté. Et en fait, c'était que des boulots à temps plein. Et moi, j'étais en cours, donc je pouvais pas. Et j'arrivais pas. Et donc j'ai commencé un taf et j'avais ma prof principale qui m'appelait, mais Madeleine, où vous êtes? Et tout. Je dis, oui, mais je travaille. Elle me dit, mais non, vous pouvez pas laisser tomber et tout. Mais vous avez du talent, revenez, machin. Je dis, oui, mais j'ai besoin de payer mon loyer. Elle me fait, mais vous allez trouver plus tard. Je dis, mais j'ai besoin de payer mon loyer, en fait. Je pouvais plus, donc il fallait que je paye mon loyer. Donc je me suis trouvé un boulot en tant que serveuse grâce à une amie française que j'ai trouvée là-bas, Marlise. Et en fait, je me suis trouvée. Donc elle m'a dit, écoute, il cherche du monde, dépose son CV. J'ai déposé le CV. Ils m'ont rappelé le lendemain sans savoir que je la connaissais. Et donc j'ai commencé là-bas et je suis restée là-bas 3 mois. Ils voulaient faire de moi une superviseure. J'ai fait, ouh là là! Non, non, non. J'ai énormément de respect pour les serveurs, énormément. Mais c'est pas un métier fait pour moi. Donc au bout de 3 mois, je me suis trouvée un boulot d'assistante de direction dans une société de jeux d'argent en ligne. Moi qui n'aime pas jouer de l'argent, en plus, alors là c'était le comble, mais en tout cas dans une société de jeux d'argent en ligne. Et en fait, du coup, je m'occupais de tout ce qui était meeting, je faisais des revues sur les jeux, sur le design des jeux, sur comment les rendre plus accessibles, plus faciles et ce genre de choses-là. Et surtout m'occuper du design et tout. Enfin, je faisais plein plein de trucs. Et ça a duré pendant 7 mois et je voulais absolument reprendre les cours. J'avais trouvé une super école et je voulais absolument trouver le moyen de me faire financer par mon entreprise, c'est-à-dire faire des cours à temps partiel et même des cours du soir et la journée travailler dans mon entreprise. Et en fait, le mec m'a dit, ouais, on verra. Et en fait, le mois d'après, rien du tout. Et en fait, quand j'étais à Londres, il y avait plein de gens qui arrêtaient pas de me dire, mais c'est pas possible, vous êtes mannequin, mais vous faites du modeling, mais. Vous êtes sûr que vous ne faites pas de la photo? Mais j'ai l'impression que ça vous a déjà vu quelque part. Je me disais, mais ils sont fous ces gens-là. Pourquoi ils me disent mannequin? Ils savent ce que c'est qu'être mannequin. Et c'est vrai qu'à Londres, en fait, il y a vraiment un milieu du mannequinat qui est underground pour toutes les marques qui sont fast fashion, les marques qui sont accessibles ou qui visent la jeunesse. Et ce, depuis très longtemps. C'est-à-dire que les Anglais aimaient déjà à l'époque prendre des gens de la rue, en fait, pour représenter leur marque. Mais des gens de la rue, genre comme toi et moi, quoi. Pas forcément avec un type. Une physiologie très particulière ou des choses comme ça. Et en fait, on parlait de ça. Et en fait, un jour, on m'a envoyé un shooting. Et la personne, elle m'a dit, les photos, elles sont géniales. Je te les donne. Je te demande même pas de payer. Et donc, elle m'a donné un CD et une clé USB avec des photos de moi. Et elle m'a dit, je suis sûre que tu arriveras à faire quelque chose avec. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi? Fuck that work. Et donc, je me suis dit, j'ai 23 ans. C'est maintenant ou jamais si j'ai envie de faire ce genre de truc-là, si j'ai envie de faire de la photo et tout, parce qu'après je serais trop vieille quoi. Et en fait, donc du coup, j'ai tout lâché et j'ai commencé à faire ça et à vivre sur les sous que j'avais mis de côté. Et ensuite, j'ai gagné donc une élection de Miss West Africa, machin. Et quand j'ai gagné l'élection, je me suis dit, j'ai besoin d'un taf. Où aussi pareil, j'ai un minimum d'argent par mois et où je peux faire tout ce que je veux à côté. Donc je m'étais trouvé un taf à temps partiel dans une marque de mode. Donc c'était la première fois que je travaillais dans une boutique de vêtements. Parce qu'avant,
Moi, en France, j'avais fait que des boulots administratifs. Et c'est vrai qu'à Londres, j'ai vraiment appris la vie, quoi, le côté dur de la vie. Et genre, donc, cette marque-là, tout s'est passé très vite. Très vite, on me demandait de faire des heures sup. Ensuite, on m'a demandé de passer à temps plein. Après, on m'a demandé d'être superviseur de la collection pour hommes. Ensuite, on m'a demandé d'aider les VM. On m'a demandé de customiser toutes les vitrines de la boutique. Les ventes ont explosé. On m'a demandé d'habiller tous les mannequins, les ventes ont explosé. Et après, on m'a dit de postuler donc pour une place d'assistante VM et j'ai eu le boulot. Et tout ça en un an. Et en fait, enfin non, ça faisait 1 an et 3 mois que j'étais dans la boîte, mais tout ça en 6 mois. Du rôle de superviseur à la place d'assistante VM, c'était en 6 mois. Et en fait, au moment où j'ai été assistante VM, je me suis retrouvée toute seule en boutique, sans savoir ce que doit faire un assistant VM. Tous les jours, j'avais que quelques bases, c'est-à-dire le money mapping, la conversion, les GDP ranking. Les GDP ranking, c'est les résultats de vente d'une boutique au niveau national et au niveau international, et ce genre de choses-là. Et en fait, et le money mapping, en fait, c'est une carte. Une cartographie des ventes dans la boutique. Voilà. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule. Et quand je me suis retrouvée toute seule, donc à devoir changer une boutique tout le temps, une boutique de 600 mètres carrés, hein. Bien sûr, c'était pas une petite boutique, c'était 600 mètres carrés, c'était la deuxième plus grande boutique d'Angleterre. En fait, on a défoncé nos ventes comme jamais. Comme jamais, on s'est retrouvé avec des triples bonus, avec tous nos rendements tous nos rendements achevés. Et en fait, on a explosé nos ventes. On faisait même plus d'argent qu'une boutique qui faisait 3 fois notre taille, en fait. Donc voilà. Et en fait, j'avais créé des nouvelles règles. Mais je ne savais pas, moi je faisais avec mon feeling et ce que moi j'aurais aimé en tant que cliente. Et j'avais créé des nouvelles règles de merchandising, mais qui ne faisaient pas partie des règles de merchandising de la marque. Et en fait, on s'est un peu fait taper sur les doigts donc, quand ils nous ont renvoyé donc, une team leader. Et en fait, quand ils nous ont envoyé la team leader, donc on a tout refait comme ça doit être fait selon les règles du merchandising. Et en fait, l'année suivante, donc toutes les choses que j'avais faites seule l'année d'avant ont été incluses dans les règles de merchandising de la marque à échelle internationale. Yes. Donc voilà, j'adore le merchandising. J'adore. Et donc, au bout de 2 ans et demi, je suis donc partie. Je suis partie. Et donc, du coup, entre-temps, on m'envoyait dans plusieurs boutiques. On m'envoyait dans des boutiques qui réouvraient. On m'envoyait dans des boutiques à l'extérieur de Londres. On m'envoyait dans d'autres petites boutiques dans Londres. Et ce genre de choses-là. Et ensuite, je suis partie en Allemagne. En Allemagne, j'ai été team leader et je me suis retrouvée à gérer aussi une énorme boutique et à faire beaucoup de choses toute seule, à remonter les ventes pour hommes, à tripler les ventes pour hommes, pas à remonter, mais à tripler les ventes pour hommes et à faire plein de choses. J'adore mon taf. J'adore ce que je fais. Sinon, je me donnerais pas autant en fait. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis radicale comme ça. Donc voilà. Et ensuite, il s'est passé. Donc j'ai perdu mon papa, donc je suis rentrée en France. Donc j'ai eu une année de césure où j'ai fait un peu d'hôtessariat pour me faire de l'argent rapidement. J'ai eu une année de césure et puis j'ai commencé à travailler donc dans une marque de luxe en tant que merchandiser. Ça vient de me faire penser à un truc. J'ai besoin de clarifier quelque chose. J'ai écrit dans un article, il faut prioriser cette marque de chaussures. Non, il faut prioriser par rapport à cette marque de chaussures et par rapport à cette marque de luxe. Mais en fait, en soi, je ne pensais pas forcément à ces marques-là. C'était juste pour faire stylé dans ce que j'écrivais. Il faut savoir que dans ce que j'écris, même si vous n'aimez pas ce que j'écris, il y a plein de fois où je vais faire des tournures. Je vais dire des choses, des phrases un peu ch chic-choc, juste pour que ce soit stylé. C'est-à-dire qu'en soi, je m'en fous.
de ces deux marques-là, qu'elles fassent leur truc, c'est bien en fait, j'ai rien contre elles, c'est-à-dire que j'ai vraiment rien contre elles. Et en l'occurrence, une de ces marques-là, la marque de sport, m'a débauchée en 2016. C'est-à-dire qu'en 2016, ils m'ont contactée pour être manager du merchandising dans leur boutique qu'elle allait ouvrir à Châtelet. Donc eux, ils m'ont démarché, ils ont déjà trouvé mon profil. Et voilà, mais cette marque-là, j'ai rien contre elle. Ça me fait ni chaud ni froid quand je la vois, quoi. J'ai pas mon cœur qui bat, genre, oh, il y a des gens qui ont acheté ça. Non, je m'en fiche. C'était juste que il fallait que je fasse un truc chic-choc. Et je sais que, je sais pas, je savais que ça allait faire le petit effet. Donc le petit poivre, le petit grain de poivre. Donc c'est pour ça que je l'ai dit. Mais en soi, je dis pas aux gens ce qu'ils doivent acheter. Moi, je me permets pas de dire aux gens, faut boycotter et me partir dans des esclandres et des trucs comme ça. Je suis pas en train de viser qui que ce soit, mais je ne fais pas ça. Je ne dis jamais de boycotter. Je dis, hey, si tu veux être en alignement avec ce que tu penses, ta vision et ce que tu défends, fais-le. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Donc voilà. Écoutez la vidéo, elle va bientôt arriver à 30 minutes. Donc je vais vous laisser ici. Ça m'a fait énormément plaisir de partager avec vous mon expérience professionnelle. Et surtout, ne lâchez pas l'affaire. Faites ce que vous voulez faire. Et si vous sentez qu'une opportunité qui se présente peut-être changer votre vie, mais qu'il y a des... que vous... je sais pas, que c'est pas quelque chose qui va devenir une obstruction dans votre vie, n'hésitez pas, foncez. Foncez. Ok? Je vous fais des énormes bisous. Bye!